Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Civilization 5 dans lequel nous jouons Venise. Vengeance, on a enfin réussi à se venger de ces barbares qui nous ont coulé toutes nos routes commerciales. Donc il va falloir les refaire. Et ça c'est pas cool. Bon, personne, tout le monde commence à être énervé par la Mongolie. La Chine, ils sont de plus en plus belliqueux envers moi, j'ai l'impression. Et construit des merveilles qu'ils souhaitent à. Qu'ils cherchent à posséder. Bon, ben moi aussi. Pour le coup. Genghis Khan. Ils nous aiment pas. Mais je m'entends bien avec pas mal d'autres personnes, donc c'est pas un problème. On est lié avec l'Éthiopie, l'Inde et même. Bismarck. Ça, c'est cool. Allez, on crée une unité d'archers composite, on sera plus fort. Tu fais quoi, toi? Pourquoi t'es là-bas? Ok. De l'or dans les ruines, c'est toujours ça. Ouais, j'avoue, 90 d'or. Vu ce que les finances que je viens de perdre, c'est pas si dégueu. En vrai de vrai. Ils sont terribles. Hein. Heureusement, leurs unités commencent à s'essouffler. Oh non, l'an 1000. Ouais, on va voir, est-ce que je peux changer? Ah ouais, je peux bien changer, ouais. Ça fera un peu plus de population, c'est cool. Eux, je vais les envoyer à Byblos. On va changer la place. Il reste des barbares. Je pensais m'en être débarrassé, mais il n'en est rien. Hop, allez. En parlant de barbares, on va aller raser ça. Et je vais demander à eux de venir là. 10 tours, ouais. Mais bon, si ça peut éviter de créer des navires barbares, ça me va. Parce qu'on a vu ce que ça a fait sur mon commerce. Pas terrible. Ça a bien cassé mon commerce et ça m'a bien cassé mes revenus. Et ça, on n'apprécie pas beaucoup. Ah bah tiens, oh oula. Ça c'est pas bon ça. Oula, calmez-vous les mecs. Hein. Je vais me retrancher, on va voir ce que ça va faire. Bon, j'ai un navire pour défendre les environs. Oula, j'aime pas ça. Navire pour défendre les environs. Que je vais mettre ici. C'est un grand carrefour commercial. Je peux pas me permettre de le laisser vulnérable comme il l'a été. Hein. Je vais pas faire la même erreur deux fois. Je vais le mettre là sur le poisson. Eh bien. Encore Genghis Khan, hein. Il nous fait des siennes. Il ne demanderait pas de l'aide par hasard. Mais totalement qu'il demande de l'aide. Ben, si je pouvais cliquer sur mon unité, je lui dirais d'attaquer celle-là, mais bon, ben, je peux pas attaquer.
peux pas cliquer sur mon unité, c'est... Le tour est pas fini, je veux bien, mais normalement on peut quand même cliquer sur ces unités. Ah ça y est, je peux une fois que le... Ouais. Ah tu m'énerves. On voit une autre trirème barbare. On aura allé s'en occuper. Hop. Hop. Lui, il a pris tarif. Bah il va y passer, hein. Ouais, je pense qu'il va y passer. Parce que là, ils peuvent tous les trois attaquer. Mais bon, mes unités de char sont quand même assez vulnérables. Ouais, bah lui, il y passe aussi. Ah, je me disais. Premier navire marchand. Bon, il faut que je priorise à fond la thune. Pékin, hop. Ok, là j'ai une unité qui va se charger d'aller prendre le camp, donc je peux faire autre chose. Navire marchand, ça me prend un tour de moins. Je fais encore des navires marchands. J'en ai 8 à faire. Et les 8 iront en direction soit la Chine, soit Erevan, Hormuz, et peut-être Bogota, si j'ai la portée. Ouais, je comprends ta demande, mais je suis loin et c'est loin de m'arranger également. Pas très très fort avec au niveau soldat. La population, par contre, ça déconne zéro. -31, ouais, j'ai pris un moins 31. C'est pas très grave. C'était une unité gratuite, ça me coûte de l'entretien en plus. Lui, il s'essouffle, il s'essouffle. Faut être patient. Ah, tout le monde, ok, bon. On va accepter, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont motivées pour. Toute façon, il ne pourra pas venir me chercher. J'ai l'unité navale la plus forte du jeu actuellement. Ok. En plus, on est assez loin. Ça c'est vrai. J'ai oublié où est-ce qu'il est. J'ai oublié de. Il est où, lui, au Genghis Khan? Il est pas par là. Ah ouais, il est là. Karakorum. Je vais remettre en exploration autour lui. Ah, Biblos, elle est pas mal la ville, hein. 15 habitants aussi. Hein. Pourtant, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. C'est... Ouais. Oula. Alors peut-être à l'époque. Mais... Ouh. Oula.
Ça a bien changé, hein. Les livres, je veux bien. Mais la presse, tout ce qui est presse, télé. Et je me tire une balle dans le pied, hein. Mais une bonne partie des contenus YouTube. Oula. Ok, y a que ça. Enfin, c'est ça qui me fait gagner le plus. Oh, ouais, les herbes à l'étrier, c'est bien ça. On viendra pas m'embêter sur cette petite île. Hein. Byblos, mon avis, va rester tranquille un moment. Y a pas de rempart, par contre. C'est peut-être le seul point négatif. C'est vrai que j'ai pas de port non plus à Venise. Pourquoi ils font pas les remparts? C'est gratuit. Ah si, voilà, rempart ici à Mani. Byblos, pourquoi ils l'ont pas fait? On est d'accord, on n'a pas. Bah non, on n'a pas. Un artiste illustre à Venise, je crois que j'en ai déjà eu un il n'y a pas longtemps. Non? Là, il se fait remettre un caftan par Imkan. C'est mongol ça. Je suppose. Parce que quand je vois écrit Khan. Vancouver. Est-ce qu'il y a des cités-états qui sont attaquées? Kuala Lumpur, oh, ils sont loin. Je vais prendre lui et je vais lui dire de bloquer possibles unités barbares qui arriveraient d'ici. Bah écoute, je te protège Hong Kong, tu pourrais me dire merci plutôt qu'être effrayé ou en colère. Alors ok, j'ai dû prendre un petit peu de temps pour reconstituer mes forces, mais quand même. Ah oui, c'est vrai, je les avais emmenés là, eux. Oh là. C'est vrai que ça fait tellement longtemps, c'était début d'épisode d'avant, quoi. Ils ont pris leur temps. Allez, on va aller là-bas. 7 tours, c'est correct. Mon barbare rasé. Ça c'était ici, ouais. Bah, je vais envoyer les lanciers et les archers composites. Je vais envoyer les deux troupes. Lancier c'est bien contre la cavalerie, les archers composites c'est bien pour couvrir les lanciers. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre mes archers composites dans la forêt. Dans celle-là. Je vais attendre mes lanciers qui mettront un peu plus de temps à venir. Ok, bien joué ça. Découvrir le travail du fer. Ok, hop, et on va aller chercher le camp. Toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas aller là. Venise est quand même sacrément grande.
plaisir. Ça fait plaisir à voir. J'ai une trirème un peu abîmée. Je vais la reconstituer, enfin, la réparer. Ah ouais? Oh. C'est cool, c'est pas loin en plus. J'avais une unité dans le coin là qui était en exploration auto. Bah, je crois que c'est eux. Ils devraient aller chercher la ruine antique. C'est cool. Parce que plus on avance dans la partie, plus les ruines antiques sont puissantes. Par exemple, une nouvelle technologie, si on avance beaucoup dans la partie, bah, c'est fort. Des armes avancées, pareil. Faut en profiter. Vancouver, allez, Vancouver. Oui, en plus, ils veulent une route Vancouver. Là, on est redevenu neutre. Bon, bah. Il y a des poissons à gogo ici. Oh là là. Merveille découverte. C'est vrai que tiens, le détroit de Gibraltar, je ne sais même pas du tout où est-ce qu'il a été par là. Ah ouais! Peuple le plus évolué. On n'est pas loin. Heureusement, on est dans une forêt. Hop là. Là, on recrée pas mal de routes. Je crois que c'est deux routes qu'on a. Trois routes. Ah ouais, trois routes. Bismarck. Ouais, c'est vrai qu'on. Ah oui. Je vais le dénoncer. Je sais pas si ma dénonciation a expiré. Mais je vais le redénoncer à coup au cas où. C'est marrant, ils étaient déjà passés là il n'y a pas longtemps. J'ai l'avantage de la forêt. Ils sont. Oui. Non, bon, je peux pas le dénoncer. Pas grave. Ah, il y a des spadassins. Ça, c'est assez fort en plus. Hop, on va continuer l'exploration avec eux. Prochain tour, devrait plus y avoir de barbares ici. Bon bah. On leur a dit qu'on le ferait, et ben on le fait. En plus, la Riga, oui, Riga et Wellington qui sont voisins avec eux. Ils vont casser un petit peu de trirème mongol ici, je vois. C'est plutôt pas mal. Hein. J'aime bien. Par contre, faudra que je reste copain avec eux. Ouais, ça va pas être le cas longtemps. De voir ça, mais. Oh, vraiment, il est pas tombé, lui? Ouais, c'est triste.
On continue de taper. Limite de 25, et ouais, ça c'est bien. 25, pas plus? Ah zut. Ouais, si, c'est normal. Angkor Wat, ça, bon bah, j'ai du retard à cause de mes routes commerciales. Parce que là, je pourrais faire quelques merveilles, mais non. Ah bah non, je peux pas. Ça, c'est cool. Hop, c'est le cas de dire cool. Même les Espagnols, ils envoient des trirèmes. Je pense que là, ça va être un petit coup dur pour eux. Ça va? Faut se calmer, hein. C'est joli, m'ont dit. Allez, on va continuer. Hop, 10 sur Erevan. Adopter une doctrine. Oh, ça c'est bien ça. 83, je passe à 107 de science. Ah ouais. Alors, petit 25% quoi. Ça te dort, ça me va. Et ça, on accepte. Voilà qui me fait de belles réserves d'or. On a bientôt Notre-Dame. Il s'agit d'une erreur. On va dire ok pour l'instant, mais jetez à l'œil. La Venta, c'est où la Venta? Il y a tellement de. C'est où l'Espagne? Ah, ils ont dû vouloir. Ils ont dû découvrir là. Ah, des piquets. Ça pue un peu là. Ah non, bah ils se barrent, c'est bon. Oh putain. Bah non, c'était sans compter mes unités qui refoncent dans le tas. Bon bah eux ils sont foutus. T'as quand même sérieusement quoi. Ils se barrent par là et eux ils sont en mode hey, j'arrive. Vous êtes téméraire un peu, non? Comment ça se passe chez vous? Surtout qu'il n'y a rien à explorer quoi, c'est terrible. Je sais pas, peut-être que je vais les jouer manuellement. S'ils se prennent quelques flèches d'archer et qu'ils se prennent pas une charge de pique. La Venta nous admire. Ah bon? Ouais, courage, fuyons. On talonne arrivo. Ok, serment de protection comme d'hab. Anti-bar, on a ce qu'il faut, ouais. Ok. Les prochains tours, tu peux aller là-bas. Hop, le débarquement il est fait. On va attendre la constitution de cette unité. On va pas se presser. Là, je vais acheter un navire marchand. Ah.
Ah bah, je pensais pas tomber sur les Mongols en mer. Deux trirèmes mongols en mer ici. Je sais pas ce qu'ils font aussi loin de chez elles. Enfin voilà. Bon bah pourquoi pas. Ah mais il a un nombre de trirèmes, c'est abusé lui. J'ai bien fait de défendre avec quelques galéas. Quelques points stratégiques en mer. Oh bah non, c'est terrible. Vous pouvez arrêter de re-remplir ce campement à chaque fois que je le vide? Non, ça fait beaucoup là quand même. Enfin, c'est le 3 ou 4e unité là que j'élimine. Et il va être content, hein. Je vais en avoir éliminé du barbare. Ouais, il doit être niveau max, hein. Ouais, niveau 3. Il y a un seuil d'XP, d'expérience pour deux unités en tapant sur des barbares. C'est le niveau 3 et demi. On peut pas XP plus, alors que purée, je peux vous dire que celle-là, elle serait forte maintenant. Ok, deux navires marchands. Hop, un ici. Hop. Un autre là. Je vais continuer, je vais faire ça. Je vais vraiment continuer sur mon truc et j'enchaînerai après sur... Peut-être Notre-Dame. On va avoir un 21e habitant. Oh la vache. Ah ouais. Il y a de la catapulte. Non, le sol, les spadassins, ils tiennent à peu près, mais. Ouais, pour rien pouvoir faire. Après, ça les retarde, les deux. Moi je fais pas d'efforts particuliers donc ça me pose pas de problème. Pas de culture. Oh bah enfin dit. Eux ils sont contents. Quelques campements, oui bon bah. Après, tant que c'est pas chez moi, c'est pas loin quand même. Hein. Oui, bon, ils sont attaqués par des barbares quoi. C'est vrai que j'ai toujours pas de port à Venise. Ça me ferait du bien aussi d'en avoir un. Hein. Serment de protection. Allez faire votre vie. Enfin, vous, je veux dire. Et là, on va commencer à avancer, explorer là-bas. Vous allez voir, ça se trouve encore un autre campement barbare. Ou alors des restes de ce campement barbare ici. Tout cas, c'est bien. Je viens de voir, j'ai de la perle aussi à exploiter. Ah, je me disais c'était bizarre quand même qu'une civilisation était aussi fort au niveau foi. Effectivement, s'il y a Boadicée, ceci explique cela. Sont plus alliés ni avec Rika ni avec Wellington. C'est dommage.
Un atelier, ça accélérera la construction des bâtiments. C'est pas à négliger. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour l'épisode d'aujourd'hui. On aura passé une bonne partie de l'épisode à redresser notre économie. Mais là, on est bien. On est vraiment pas mal, même. Vraiment même très bien. On génère un excédent de plus 100 d'or par tour. Pareil en science. Donc là, on est plutôt bon. Le but va être d'essayer de garder cette avance en or. De construire uniquement par la suite des bâtiments. Ah zut. Des merveilles, voilà. Et d'acheter les bâtiments classiques. Toutes les merveilles à Venise, hein, j'ai pas le choix. Et acheter les bâtiments classiques, que ce soit Manille, Venise. Biblos, mais on pourrait voter bien sûr à Venise. Car faut pas déconner. Sur ce, on se retrouve vendredi, non jeudi, pour le prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Thiob. Ciao.